En trompe-l'œil, on va recréer l'aréole et le mamelon du sein avec le tatouage par l'objet du clair et des obscurs. Donc, c'est une technique de dessin. Et donc, on va pouvoir recréer une image du sein tel qu'il était avant l'opération. Ça tient beaucoup à la technique du dessin. Donc, il faut des compétences artistiques déjà présentes pour pouvoir recréer l'illusion de la présence de cette aréole et de ce mamelon. Donc, c'est vraiment un travail de copie de la réalité. Et donc avec l'utilisation d'encre très adaptée, donc avec une très très grande variation de couleurs, on peut s'adapter au mieux à tout la texture, le relief. On peut recréer toutes ces petites illusions qui vont donner l'impression que le sein est de nouveau présent.